La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Barka Bouaïda, s'est entretenue mardi avec M. Peter Szijjártó, secrétaire d'État chargé des relations extérieures et commerciales de la Hongrie, en visite de travail dans le Royaume. La rencontre a porté sur plusieurs points, notamment les questions bilatérales et donc les échanges économiques et commerciaux, des consultations politiques donc concernant tous les points importants pour nous. Politique, d'ordre politique interne, mais aussi externe, des questions régionales et des questions internationales. À la fin de la rencontre, nous avons pu signer une convention bilatérale qui concerne des itinéraires culturels, donc de laquelle nous nous réjouissons et qui permettrait un échange culturel entre les deux pays et surtout qui permettrait d'ouvrir un dialogue plus étroit entre nos deux cultures. Cette réunion a connu l'examen des moyens susceptibles d'affermir la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine culturel, à travers la signature lors de cette rencontre d'une déclaration d'intention pour le dialogue entre les cultures entre le Royaume et la Hongrie. La Hongrie considère le Maroc en tant que partenaire très important dans le continent africain. Nous avons enregistré des succès depuis le banc dans nos échanges commerciaux qui a atteint plus de 150 millions de dollars. Cette déclaration illustre l'importance portée par les deux pays à la consolidation du dialogue interculturel en tant que voie essentielle pour promouvoir la tolérance et la paix, ainsi qu'une source de développement social, économique et touristique.